Salutations, on se retrouve à nouveau sur Fallout Shelter. Alors attendez, il faut que je trouve ce misérable. Où est-il? Où est ce sinistre inconnu? Ah, je vais pas le trouver malheureusement. N'hésitez pas à mettre pause pour tenter de le trouver de votre côté. Ah, bon, allez, on abandonne. On ne l'aura pas. On est à 147 survivants. Ou habitants, comme vous préférez. On va continuer à progresser dans les missions. Trouver Paula Plumking. Au bout d'un moment, on va la trouver, hein. J'espère juste que c'est une être humaine, quoi. Parce que bon, mine de rien, on a sauvé des canettes qui viennent de temps en temps augmenter le bonheur de mes habitants. C'est ce à quoi elle sert, hein. Elle sert uniquement à ça, d'ailleurs. Est-ce que j'ai mis du soin? Oui, pas beaucoup par contre. On a été un peu radin. On a amélioré un petit peu l'abri, je l'ai pas montré, mais en gros, on a ajouté, comment on appelle ça, des médecins, des infirmeries, et on peut faire plus de steampack, que ça me paraissait cohérent. Alors, il n'y a rien du tout pour l'instant, honnêtement, bon. Honnêtement, bon, c'est raisonnable, on va dire. Les ennemis sont raisonnables. Ils sont bien cachés. Bien le bonjour, je suis le superviseur Alvarez, laissez-moi deviner. Vous venez, vous cherchez abri police, comme cette Paula. Je vous dirai la même chose, vous êtes au mauvais endroit. Abri police existe réellement, inspectez les bureaux de Voltec au nord. Bah nickel, hein. Nickel. On est venu pour rien. Après bon, on a eu une caisse. C'est déjà pas mal. On va pas râler quoi. Après ils vont mettre une plombe à revenir, mais ça c'est mon problème comme on dit. Voilà, on a construit des infirmeries, des hôpitaux. On en a construit deux. Je vais voir un peu les missions que j'ai. 70 tenues, bon. Ah là, un animal. Oh, c'est trop bien. Survivre à 9 attaques de ghouls. Ok. Et augmenter l'endurance de 3 d'habitants. Ok, ça va. En vrai, on va peut-être envoyer une autre personne. Est-ce qu'on a une bonne arme à lui donner? Pas terrible, mais au moins... Il va avoir plein de soins et comme on doit tuer des gens dans les terres désolées, ça me paraît être une bonne idée. On entre. Ok, il y a des ghouls à cet endroit. On va nettoyer la zone. Encore un plan déchiré. Alors niveau armement, on est comment? Ah, c'est le groupe d'élite. Ils font toujours la gueule. Ouais. Ouais, ils font la gueule. Bonne nouvelle, hein. Plus ils font la gueule, plus ils sont forts. Hein. Ok, petite bagarre.
Alors désolé, on me harcèle en même temps. Tac. Tac. Ah mais quelle idée de donner mon Discord à des gens. Ne donnez jamais votre Discord à des gens que vous ne voulez pas. À qui vous ne voulez pas parler, quoi. Je dis ça, je sais même pas qui c'est. Est-ce que vous l'entendez le bruit Discord? J'espère que non. Une seule goule, bon. C'est moi, connard. Ah, d'accord. Tu es pardonné. Vous êtes pardonné, monsieur. Mais arrête, tu vois bien que je suis occupé. Nous allons faire de vous un chevalier honoraire de la confrérie de l'acier. Bienvenue dans l'équipe, soldat. C'est un honneur. Un autre groupe aurait besoin de renfort au bureau Robco, pardon. Tac, tac. C'est déjà fait, là? Alors, on peut terminer. Bon, on va terminer en vrai, on sait jamais. On peut trouver des petits trucs. Comme d'hab. Hein. Ah oui, hein. On a débarrassé l'endroit des goules, hein, regardez. Into, on continue, il y a des ghouls. Dommage. Hein. Pas mal. Pourquoi on prend si cher que ça? Ils sont boostés un peu les ghouls, hein. Parce que les ghouls de base au tout début du jeu, bah là elle prend un coup de fusil, elle va dormir, quoi. Ça c'est des ghouls boostés aux hormones, hein. Pas possible, hein. C'est un peu étrange les points de vie des monstres dans ce jeu. Parce qu'en vrai, plus on avance dans le jeu, plus les monstres sont forts. Plus les monstres de base sont forts. Tu vois, on affronte un écorcheur, ça me choque pas qu'il m'inflige les dégâts là. Mais là, ça me choque un peu les dégâts qu'il m'inflige. Ok, on a eu un nouveau, une nouvelle page déchirée. Et encore une bonne nouvelle, hein. On a eu pas mal de choses. Allez, on filoche. Trois petites pages. Quatre i, ça c'est nul. Et les pages c'est cool. Apparemment il y a eu un accomplissement quelque part là. Manque d'eau, bon comme d'hab. Alors qu'on a beaucoup d'eau, hein. En vrai de vrai. Lui il fait rien, du coup on va la renvoyer. Elle était où? Elle était là. Alors faudrait mettre quelqu'un avec lui. Mais je sais pas qui, malheureusement. On va essayer Carole. Allez, Caro. Ah, lui, c'est une machine, lui, par contre. Hein. Tac.
Alors, comment tu t'appelles, toi? Non, pas toi, elle. Diana, tac. Elle parle avec une dame. Toi, tu t'appelles comment? Foster, parfait. Va là-bas. Toi. Bon, allez, Richard, va là-bas, on sait jamais sur un malentendu. On a beaucoup de gens qui traînassent. Hein. Mais non! Mais non! Pas dans ce sens-là! Comment on fait pour faire de la romance? Tu fais n'importe quoi, là. Tac, tac, tac. Allez, on entre. Désolé pour cette coupure, un peu fortuite, n'est-ce pas? Une coupure où j'ai dû discuter pendant quelques instants avec un ami proche. Ah, le son est bizarre, non? Ouais, le son est bizarre. Pourquoi le son est bizarre? Alors moi, ça grisille de mon côté. Est-ce que ça grisille de votre côté? Alors attendez, on finit le combat, on va relancer le jeu. Non mais j'ai pas envie de parler à... Pourquoi on m'appelle? Genre l'enchaînement des enfers quoi. Alors est-ce que c'est la faute du jeu ou alors c'est la faute de mon PC là? Hein, ça continue à grésiller. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Désolé. Pour cette deuxième coupure, j'ai eu un problème de son. Le son grésillait de façon... plus que... dramatique. Du coup, on est ici. On est ici pourquoi déjà? Il faut que je me fasse un débrief à moi-même. Renseignez-vous sur le clairon. Ok, on va faire ça. Mais oui, mais ça sert à rien en fait, on est en combat. Abattez-le. Lait. Abattez-le lait, n'est-ce pas? Abattez-le lait. Il y a le lait qui court. Il est lent ce lait, n'est-ce pas? Ah, tous les mêmes. Tous les mêmes vont y passer, quoi. Incroyable. On va retourner ici pour looter le rat-taupe. En tout cas, je suis rassuré, je pensais que c'était une mauvaise nouvelle, mais au final, non. Que c'était très insistant, les appels. Vous savez, quand vous avez un truc un peu banal à dire, n'hésitez pas à ne pas réclamer un appel pendant 3 quarts d'heure, parce qu'après, vous inquiétez les gens. Moi j'étais très inquiet quand j'ai pris mon téléphone là. Parce que c'était là, ouais c'est important, blablabli, blablabla. Et en fait c'était un peu du style... On regarde quoi comme film? C'est pas important.
Après, je sais pas si vous êtes un peu comme moi. Il y a pas longtemps, enfin littéralement hier soir, je devais regarder un film avec quelqu'un. Moi, je voulais regarder Le Roi sur Netflix. L'autre personne, elle voulait regarder une comédie. Et en fait, on a mis une heure à plus ou moins choisir un film et je me suis endormi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui venez d'arriver, hein? Une petite compétition amicale ne fait jamais de mal à personne. Si vous êtes si fort, comment se fait-il que votre abri soit infecté de vermine? Tout le monde est parti dans les terres désolées à courir après la gloire. Plus personne s'occupe des infectés. Il faut battre l'abri, machin truc. Bon, on va faire la dernière salle. Les deux dernières salles. Bah, il était pas ouf, hein, cet abri, hein. Parfait. Bon allez, on rentre chez nous. Une bonne nouvelle du coup. Un bébé est en route, à nouveau. Il est où? N'hésitez pas à faire pause et à le trouver de votre côté. Si jamais je n'y parviens pas. Elle est bien cachée une nouvelle fois. Je le trouverai pas. Du coup, Amy Foster est enceinte. Tac. Qui est la prochaine victime? Anne Barton. Peut-être là. Lui, il veut pas, du coup, c'est sa fille. Bah oui. Ça marche comme ça. Ah non, c'est les deux autres qui sont là. Qui augmentent le bonheur. Ils sont là, là. Du coup. Elle est partie il y a peu. Elle aussi. Elle aussi. 3. Ouais, c'est un peu cher. 2. Après, il me faut un groupe, un bon groupe. Je pense que je vais ramener eux. Parce que bah, c'est le meilleur groupe, mine de rien. Est-ce qu'on va en finir un jour? Telle est la question. Ah bravo, c'est allé vite. En vrai, on va prendre l'arme de Virginia. Et on va envoyer lui dans les terres désolées. Ah d'accord, oh, bah, je savais pas. Peut-être réduire un peu parce qu'il faut en garder pour une mission. Voilà. Et hop, au boulot. Au boulot gamin. Allez, quête. 4h, 9h, 7h, 7h, 12h, 4h, 5h. On va prendre celui-là, hein. 5h, il y a un bon truc dedans. Job, tech.
Ah, j'ai un niveau 50 qui dort là, c'est un peu dommage. Peut-être l'envoyer dans les terres désolées ou en mission, je sais pas encore. Alors voyons voir. C'est un peu grand. C'est possiblement la plus grande mission de cette vidéo. Lui, il a une belle pioche. Déjà un plan d'armes. Encore. Ah, un rat de scorpion. Non, deux. Il y en a trois? Non, il y en a deux. Faut espérer ne pas tomber sur ça à tous les coins de cet abri. Sinon, ça va être délicat. J'ai peur d'avoir été radin en termes de soins, quoi. Encore du soin. Bon, en vrai, non, ça va. On devrait être bien. On est quand même à 16. Ok, des bandits. Allez, un petit proc critique là, ce serait pas mal. Ah, j'ai été mauvais. Le x5 est incroyable, mais il sert à rien. Un fragment. En vrai, j'ai envie d'avoir le maximum de fragments possible. Histoire de vite débloquer... Des nouveaux thèmes. Après, ça apporte rien, c'est des apparences, mais bon. Ouais, ça apporte rien en fait. Ça sert à rien, my bad, j'en veux pas. Après une intense réflexion, non, non, c'est bon. Alors, je regarde les dégâts. 14-15 les deux et là le 17. Oula, il a... Il a une épée à deux mains, lui, là. Pas elle.
pas mal le Nuka-Cola, il fait plaisir. De l'eau magique et mon cul c'est du poulet. Ce magicien prétend avoir découvert une technologie de filtrage. C'est du n'importe quoi, une vraie couillonnade. Et maintenant mon couillon de voisin, aussitôt avoir bu, les pillards nous ont attaqué. Sans vous nous serions morts. Pire encore, le petit Johnny Jones a bu et ça l'a rendu malade. Il est mort dans la journée. Il ne vous en resterait pas un peu? Non, 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 nous l'avons enterré au pied de l'arbre. Au pied d'un arbre. Ok. On a tout ce qu'il faut, mais on va aller là. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Hein. C'est le résumé de cette vidéo. Bon, il n'y avait pas grand chose. Bien passé. 3000. Lui il est pas encore de retour. Ah. On va le débrief après. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il semble qu'il est pas loin de là, là. Mais je ne le vois pas. Ça me dégoûte. Et on l'a raté. Ben dommage. Tant pis. Alors, il me faudrait une bonne arme. Il y a bien un mec avec une bonne arme là, quelque part, qui traîne. Merci mon pote, tiens une bonne arme. Et tu vas aller dans les terres désolées, histoire de level up, parce que j'aime pas les niveaux 1. Voilà. On va faire ça un peu avec tous les niveaux 1 qui traînent, histoire de pouvoir les envoyer en mission. Sinon comment ça se passe là? Ça se passe moyen. Ça communique pas beaucoup. Madame Richard, allez-vous-en. 0, 0, plus 1 là. Lui, il est un peu seul. Aïe, 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 il fallait arrêter la vidéo avant. J'allais arrêter la vidéo et l'attaque des corcheurs fait chier en vrai. Les événements aléatoires de ce jeu sont chiants. Comme ça on peut voir un peu l'armement des gens. Elle, elle est enceinte. Elle, elle a rien. Elle non plus. Je fais ça pour éviter d'avoir à utiliser du soin. Que un passage ça va, deux ça picote. Le groupe est bien armé. Hein. Là ils ont un petit pistolet 11-14. Lui avec la machette. Et lui là. Avec une 12-15, pas mal. Alors niveau armement là, ça bosse. Ça bosse. Hein.
On a combien de soins là? Bon allez. Je vous remercie du temps passé sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, pour la suite. Au revoir.